Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, petite réaction à un comeback. Et je vous avoue qu'au début, j'étais complètement perdu. Alors j'avoue que j'ai pas encore regardé la vidéo, mais juste les noms. Parce que le titre c'est Hiyo, en featuring avec Bibi. Et le titre s'appelle Seconde. Et je me suis dit, mais j'ai vu plein de teasers, de vidéos autour de Hiyo. Donc je me suis dit, c'est quelqu'un dont je suis abonné quelque part. Mais je ne connais personne qui s'appelle juste Hiyo. Et du coup, j'ai pensé à plein d'artistes, j'en ai pensé à trois principalement. Donc il y a Hiyo Lin, qui est une ancienne membre, alors je ne sais plus si c'est Sistar ou Stella, je vais vous le dire tout de suite, l'ancienne membre de Sistar, et qui notamment va faire un comeback demain, avec Dasom, donc une autre ancienne membre de Sistar. Et déjà ça m'a perdu. Le fait déjà de savoir qu'elle fait un comeback et que ce soit quasiment la même date, hein, parce que Hiyo Lin et Dasom, comme je dis, là vous avez la vidéo là, mais celle de Hiyo Lin et Dasom elle sort demain. Donc dans ma tête, je me suis dit en plus avec les décalages horaires, machin, je me suis dit bon, bah, si ça trouve, c'est celui de Hiyo Lin. Mais non, ce n'est pas Hiyo Lin. Du coup, il y a une autre membre que je connais, du coup, qui s'appelle Hiyo Rin, qui elle fait partie de Sistar. Pourquoi il ne veut pas me donner Sistar? Ah parce qu'en plus elle aussi elle a eu un nom qui s'appelle Hiyo Lin. Ah mais attends, c'est la même Hiyo Rin et Hiyo Lin. C'est la même personne. Ah, c'est chiant quand ils changent de nom comme ça. Et du coup il n'y a pas une autre Hiyo Rin quelque part? Non, c'est la seule. Je crois qu'il y avait une autre Hiyo Rin. Alors, il y a peut-être une autre Hiyo Lin. Au final, avec leur nom, Hiyo Lin. Non, c'est toujours la même. Il n'y a qu'une seule Hiyo Lin. Et Hiyo Rin, en fait, c'est Hiyo Lin. Je suis complètement perdu avec les noms qui changent comme ça. Mais du coup, le fait qu'en plus, voilà, bon, bah, Hiyo Rin et Hiyo Lin, finalement, c'est la même personne, hein, je le découvre devant vous. Mais du coup, le fait que le nom soit Hiyo, mais qu'on ne sache pas la fin, et qu'en plus, il y a une Hiyo Lin, ou Hiyo Rin, hein, son vrai nom, c'est Kim Hyo Jung, donc voilà, ça n'a rien à voir, mais le fait qu'elle sorte un comeback demain avec son ancien collègue Dasom, je lui dis, bah tiens, si ça se trouve, c'est ça. Mais du coup, non, vu que. Bah, vu que là le featuring avec Bibi et non avec Dasom. Donc Bibi, pour le dire, c'est une rappeuse qui écrit, produit aussi également des chansons et tout, qui a commencé il y a 2-3 ans. Donc c'est quelqu'un qui a une carrière qui est quand même assez jeune pour l'instant. Et du coup je ne connais pas du tout. Et du coup la Hiyo, bah, quand on va dans la description du titre, en fait déjà on voit que ça fait partie de SM Tom. Et là du coup quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite capté. Après t'as les trucs Girl Generation et tout, et là du coup j'ai compris que c'est Hiyo Yeon, du coup la membre de Girl Generation. Mais sur le coup quand j'ai vu juste le Hiyo, je me suis dit mais c'est qui ça? Et surtout je me suis dit c'est qui ça et comment je peux la connaître? Alors que le nom du Hiyo je ne sais pas c'est qui. En fait c'est juste que là son nom est raccourci, je ne sais pas pourquoi. Et du coup bah, on peut dire que comme pour Bibi je disais c'est quand même une jeune artiste, elle a quand même de la chance au bout de 2-3 ans de faire un featuring avec une membre des Girl Generation. C'est vraiment. Enfin voilà, faut vraiment avoir beaucoup de chance, je trouve. Et du coup, bon, on va regarder ce comeback qui s'appelle Seconde. Et ça, c'est marrant parce que Hiyo Yeon, est la deuxième membre de Girl Generation. Ouh, pardon. Deuxième membre de Girl Generation dont je fais un comeback dessus parce que j'ai fait Taeyeon sur le titre Weekend bah, quand c'est sorti au tout début du mois non début du mois dernier plutôt. Voilà, donc on va lancer. Yeah.
Oh, vraiment être dans si l'été. J'aime beaucoup cette tenue là. Et surtout sa coupe de cheveux et tout. Tu vois, on est un bar, on a de l'alcool, un peu comme dans Alcohol Free. Je me demande à quel moment va intervenir la Bibi. Tu vois, en général, dans les featuring en Europe ou en France, du moins, souvent les featuring ont tendance à intervenir en deuxième couplet. Donc là, c'est toujours elle. Peut-être que là, j'ai hâte de voir la danse pratiquée parce que la chorégraphie elle est assez marrante et elle a l'air plutôt sympa. Bah, il lave là. Ça va peut-être qu'elle va chanter un petit peu parce que. Bon, en plus, sur la conclusion, ils ont bien mis son nom au complet. Quoi. Ah, y a que le truc de la SM à la fin. C'est quoi ça? Bon, trop tard. Du coup, voilà le comeback de Hyoyeon. Du coup, qui était vraiment pas trop mal. Alors, la chanson, voilà, je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est pas non plus une chanson que je vais écouter régulièrement, mais je la trouve vraiment sympa. Je trouve que le refrain est plutôt pas mal. Un petit break à un moment, bon, il est plutôt pas mal, mais j'ai vraiment eu peur que ce soit là, ça l'intervention de Bibi, quoi. Parce que il y a une chanson dans l'album de Taylor Swift, dans un album de Taylor Swift, je ne sais plus lequel, où vraiment t'as un featuring avec une artiste. Où l'artiste ne dit juste qu'une seule phrase dans toute la chanson. Alors, quand on sait qu'aux États-Unis, ils peuvent écrire des chansons où les featuring ont seulement une phrase à chanter, on se dit on peut s'attendre à tout. Du coup, là, j'ai eu un peu peur et tout, et au final, quand après, dans les images, elle apparaît à côté de Hyoyeon, on se dit bon, elle va quand même chanter correctement, enfin correctement, pas faire des petits trucs là, juste la voix en arrière-fond et tout. Et en plus, on faisait un petit peu de rap, un petit peu de vocal. Enfin, vraiment, la Bibi a l'air assez intéressante comme artiste.
Je pense que je regarderai un peu ce qu'elle fait parce que vraiment je connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout son visage, j'ai juste regardé tout à l'heure rapidement des informations sur elle, mais je la connaissais pas plus que ça en tout cas. Après Yo-Yeon, forcément je la connaissais avec les Dream, faut que j'aille lire les Dreamcatchers, parce que j'ai la vignette de l'album, enfin du dernier comeback de Dreamcatcher sous les yeux, donc ça me stresse, même quand je vous regarde là j'ai le truc juste en dessous. Voilà, mais avec les Girl Generation que je l'ai connu. Mais en fait, comme toutes les membres de Girl Generation, j'ai connu en tant que groupe, mais jamais les titres solo. À part la Taeyeon que j'ai un petit peu découvert, mais sinon, toutes les autres, même si elles ont quasiment toutes fait des carrières solo, bah, je ne connais pas plus que ça leur carrière solo. Du coup, bah, je découvre pendant qu'elles continuent à faire encore des titres. Hein. Du coup, pour la chanson, voilà, je trouve qu'elle est bonne. Après, ça va pas être un titre que je préfère. Après, si on doit comparer avec Weekend de Taeyeon, bah, je vous avoue que j'ai quand même préféré celle-ci en termes de musique. Après, je dis pas que Weekend est un mauvais titre, mais je vois que celui-là, bah, j'aime vraiment bien. Après, je sais pas si c'est parce que la Twice. Arrive à me faire un peu changer des fois d'avis sur certains styles de musique, et du coup me faire aimer certains styles que je suis pas très fan de base, ou IU également, IU je surkiffe alors que c'est pas du tout un style que j'aime de base. Mais c'est vrai que là, bon, le titre était plutôt bien, hein. Je crois que je le réécouterai, mais pas non plus tous les jours, mais je le réécouterai, je pense. Après, au niveau de la danse, comme je disais, la danse elle a l'air super cool, elle a l'air assez marrante et tout, donc. J'ai vraiment hâte qu'elle nous sorte une danse practice parce que vraiment je pense que ça peut être vraiment bien à voir. Et ensuite en ce qui concerne les outfits, on va dire, il y a des bonnes tenues je trouve, des bons styles de coupe de cheveux, bon les make-up de toute façon ne sont jamais très exagérés à part quand c'est vraiment des peintures faciales ou des choses comme ça ou pas des perles mais des fois il y a des trucs qui sont collés au visage, enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle mais bon. À part ce genre de choses, on va dire qu'ils sont pas très abusifs dans le maquillage, quoi. Les membres, avec qu'ils aient du maquillage ou pas, enfin, tu peux les reconnaître, quoi. Que beaucoup de célébrités américaines, t'enlèvent le maquillage, fou, putain, il y en a tellement que tu te dis, est-ce que c'est la même personne, quoi. Et en France, c'est pareil. Certaines stars, quand t'enlèves le maquillage, tu reconnais pas la personne que. Là, souvent, j'ai l'impression que c'est beaucoup du maquillage un peu pour un peu. C'est un peu bizarre de dire pour rendre un peu plus joli le visage, mais c'est un peu en même temps c'est un peu le but du maquillage quoi. Mais c'est vrai que moi c'est ce que j'aime bien, c'est que les idoles de K-pop dans la majorité n'abusent pas là-dessus. Ça je trouve ça bien. Et après ouais, les tenues, je trouve que ça, il n'y en a pas eu de catastrophique. Hein. Même pour la rappeuse, enfin rappeuse vocale, la Bibi, pareil, son style était plutôt cool. Quand elles ont des tenues blanches comme elles ont sur la vignette du titre, je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, je suis pas très fan du blanc, mais les tenues leur vont bien. Et après, bon, comme je disais, je préfère quand elle a. Bon, j'aime pas les trucs rayés, mais c'est surtout que j'adore la coupe de cheveux qu'elle a quand elle a ce style-là, parce que la tenue en elle-même est. Pas super super belle parce que j'aime pas tout ce qui est rayé, tout ce qui est à pois, à carreaux, tous ces trucs là j'aime pas, mais j'aime bien les coups de cheveux comme ça, un peu comme Gaion notamment de Dreamcatcher que j'ai sous les yeux. Elle a un moment cette coupe de cheveux là dans Boca et tout, j'aime beaucoup ce style là. Et après bon, sinon après le reste ça va, c'est pas catastrophique, on a vraiment des bonnes tenues et tout, les décors sont plutôt pas mal. On a un décor avec plein de tapis, on a même des tapis au-dessus et tout, donc ça j'ai trouvé ça assez marrant parce que ça me rappelle une série, une de mes sitcoms préférées qui est Community, où t'as dans une ou deux saisons, t'as un épisode qui revient où ils construisent des forts de couverture. Un coup, ils sont avec des couvertures, après ils font ça avec des coussins, machin. Mais ça m'a rappelé un peu ça, le fait qu'elle soit en dessous d'un plein plein de tapis, qu'ils soient allongés sur des tapis, ça m'a rappelé ces épisodes-là de Community, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Même si je pense pas que ce soit forcément la référence du truc, mais moi ça m'a fait penser à ça, donc me faire penser à une de mes séries préférées, ben, ça donne des points en plus. Hein. Et après, il y a le décor un peu au niveau du bar.
Qui est pas trop mal. Bon, je pense qu'ils auraient peut-être pu styliser un peu plus le bar, parce que là il y a juste quelques cocktails, ben Hyoyeon, et puis le truc second décrit un peu comme on avait dans Twice avec Alcohol Free. Donc voilà, pas non plus énormément de recherches. J'aurais été même peut-être qu'il y ait un ou deux clients, ou enfin je sais pas, comme il y a des danseurs et danseuses annexes, peut-être que ces personnes-là auraient pu servir également, en mode voilà, on est des serveurs pour cette scène, enfin pas des serveurs mais des clients pour cette scène-là, histoire de rendre un peu plus vivant la scène. Ça aurait été pas mal, parce que dans ce qui marchait bien dans Alcohol Free, c'est que les membres de Twice, pour la majorité, c'est elles qui picolent entre guillemets quoi. Et du coup il n'y a pas ce souci de devoir rendre vivant le décor, que là elle est positionnée un peu en tant que vendeuse, enfin de barmaid, et du coup ça fait un peu bizarre qu'il y ait personne en face alors qu'il y a plein de verres. Voilà, il y a quand même pas mal de petits verres d'alcool, de cocktails sur le comptoir. Donc ça aurait été bien juste qu'ils rendent la scène un peu plus vivante, mais en soi m'a pas dérangé plus que ça. Puis je crois qu'il y a une scène là dans une sorte de minibus là, ou je sais pas trop quoi, sorte de camping-car, enfin de choses comme ça, plutôt pas mal. Enfin le MV est vraiment pas mal. Après on sent quand même que l'ASM met plus d'argent dans aespa que ces artistes de Girls' Generation, mais on peut dire que c'est quand même un comeback très satisfaisant. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc un très bon comeback, voilà. Pour moi, je pense que ça qualifie très bien ce titre, hein. Très très bon retour de Hyoyeon. Très bonne surprise de Bibi que je ne connaissais pas, donc je pense que je vais m'y intéresser un peu plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on se retrouve du coup demain pour le comeback, non pas de Hyoyeon, mais de Hyolyn. Voilà. Là, pareil avec un ancien groupe, parce que les Sistar ont fait leur carrière à peu près à la même époque que les Girls' Generation, quoi. Les idoles ont à peu près les mêmes âges et tout, autour de fin de vingtaine, trentaine et tout, donc c'est vraiment un peu la même génération là que vous allez voir sur aujourd'hui et demain, quoi, en termes de comeback. Donc voilà, je vous dis à demain, passez une très bonne soirée, et puis bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein. Je bug souvent sur les conclusions, comme vous pouvez le remarquer, parce que je ne sais jamais vraiment quoi dire. Allez, ciao.